妹見てきていいですか。よし行ってこい。水はわしが汲んでくる。はい父上。どうしてこんなに寒いのかしら。どうしたの？寒いの？Thank you.
ça devrait aller. Serre les poings. Ça te va, ça? Nickel. Ok. Bah, au moins, t'es à l'heure. On peut toujours compter sur Cole Young, le sac de frappe humain. Je combats qui? Combattre? Non, Cole. Combattre, ça veut dire porter des coups et se défendre. Cogner dans le vent, c'est pas assez, tu devrais y réfléchir. Mais j'arrête, je sais que t'es sensible. Tu rencontres Ramirez, il a... Ouais, de l'expérience, il bouge vite, bon boxeur. T'as un gutman? Emily, ça te dit? Putain, ta fille comme soigneur. Fais rire, va trouver un autre challenger en moins d'une heure pour $200. Allez, tu restes ou pas? Tu sais bien que je veux plus le voir combattre. Cole, donne au public ce qu'il est venu chercher. Ou lui non plus, il va pas rester. Sérieux, Young? C'était un putain de combat. Ouais, merci. Respect, Cole. Ok. Bon, on rentre. 2 secondes. Tu viens de le faire, c'est ça? Ouais. C'est beau. C'est pour toi, tu le sais? Maintenant, on en a un chacun. T'es sûr que ça va, toi? Ouais. J'aurais vraiment dû lui mettre cette uppercut. Cole Young, l'homme qui a repris le titre à Eddie Tobias. C'était il y a un sacré bout de temps. On se connaît?
Non. Je m'appelle Jax. Enchanté, Jax. T'aurais pu gagner ce soir. En contrôlant la cage. Je te l'avais dit, oui ou non? Elle est pas bête. Ouais, bon, eh ben, j'ai un peu faim, moi. Encore un truc, mec. Ton logo de dragon, là, je trouve ça super. Exceptionnel. Où tu te l'es fait faire? Il est né avec, en fait. Né avec? C'est une marque de naissance. Ah oui, sérieux? Montre-lui, c'est cool. Ouais, c'est pas commun. Un de ces jours. À bientôt, champion. Ça va? Salut, maman. Alors, t'es pas trop cassé? Ça a été, t'es content? Il est passé à deux doigts de le battre. À deux doigts. Ouais. À deux doigts. T'es sûr que ça va? Je suis en vie. Ok. On va commander? Ouais. Juste de l'autre côté de la rue. Il a la marque, je l'ai vu. Et il est en famille. Ali, c'est incroyable, viens. T'as vu la neige? Mais on est en juillet.
s'est enfin endormi. Il faut que j'y retourne. Vous êtes en sécurité ici, toutes les deux. T'as entendu ce qu'a dit Jax? Cette chose traque tous les porteurs de la marque. Je suis en ligne de mire. Donc si je reste ici, et qu'ils nous trouvent, ils pourraient nous tuer tous les trois. Et je te promets que ça arrivera pas. Jax a déjà dû s'en charger. Il faut qu'on en soit bien sûr. Le nom qu'il m'a donné, Sonya Blade, elle devrait pouvoir nous aider. Champion du royaume Terre, mais un autre lui a échappé. Que nos autres assassins redoublent d'efforts. Et Lord Raiden, s'il découvre que nous enfreignons des règles gravées dans le marbre par les dieux anciens. Je me charge des dieux anciens. Nous n'avons pas gagné 9 tournois de suite en respectant les règles. Milena, finissons-en avec celui-ci. Convoquez le reptilien Saizot. Non, attendez! Je vais avoir Sonya Blade. C'est Jax qui m'envoie. Où elle est? Vous parlez de quoi? La marque. C'est moi, Sonya. J'ai pas de nouvelles de Jax. Où il est? Il est resté là-bas. Pour se battre. Ferme la porte. Ça a l'air vraiment sûr comme lieu. Vous préparez quoi? C'est ici qu'on garde tout ce qu'on a appris sur les marques du dragon. Nos premières infos datent d'il y a 7 ans. Jax et moi, on était en mission au Brésil pour capturer un fugitif. Quand on l'a repéré, il a tout de suite été clair qu'il avait des pouvoirs de dingue. Il a décimé notre unité en quelques secondes. Et lui aussi, il avait la marque du dragon au col. Jax l'a finalement battu. Et aussitôt, c'est lui qui s'est retrouvé avec cette marque sur la bramant. Tout au long de l'histoire, différentes cultures de partout dans le monde parlent d'un grand tournoi de champions. J'ai découvert qu'il existe différents royaumes et des espèces dont on ne savait même pas qu'elles existaient. Je crois que cette marque signifie que tu es le champion qui devra défendre la Terre. L'Ursrilm. C'est une invitation à participer à ce tournoi. Le mort du combat. C'est une blague, franchement. Ça a l'air d'en être une, je veux dire, même l'orthographe, c'est plein de fautes. Je plaisante pas. Je crois qu'un autre tournoi se prépare. C'est pour ça que t'es là. Et c'est pour ça que Jax et moi, on te cherchait, Cole. Parce qu'il faut qu'on trouve tous les autres champions avant qu'il soit trop tard. Je te l'ai pas dit, mais il y en a plusieurs qui ont été tués. On n'en a pas fini avec tout ça. J'en suis sûre. Mais j'ai bien l'intention d'aller juste... Désolé de te couper dans ton torrent de conneries, ma jolie, mais j'ai encore envie de pisser. C'est quoi ça? T'as de la visite? Et mort, fais attention. Salut, chérie. Vous êtes qui? C'est Kano. Kano?
Kaino, comment? Kaino, qu'est-ce que t'en as à foutre de comment? T'as du sang russe, toi? C'est du russe que je te dis là, putain de connard! C'est un mercenaire du clan Black Dragon, Cole. Vendeur d'armes, trafiquant de drogue, tueur à gages, véritable ordure. Je sais aussi faire de bons massages. Et t'as la marque du dragon. Ouais, c'est une histoire intéressante. Tu lui racontes? Je suivais un autre champion, et j'ai eu la chance de tomber sur Kaino à la place. Et ma cible avait la gorge tranchée. Le manque de ponctualité, c'est un de tes problèmes. T'as pas été choisi. Le destin avait plus d'exigences, Kaino. Moi, au moins, j'ai aucune exigence. Juste envie de voir si t'es une vraie blonde. Eh, pas mal. Je l'ai presque senti, celle-là. Et toi, alors? T'as la marque? Non, je l'ai pas. Allez! Et toi là, le nouveau! Détache-moi, je peux vous aider! Attends, deux secondes. J'allais sortir faire un tour, mais peut-être que je vais rester! Espèce de con! C'est de la merde, et t'es bientôt à sec. Tu fais quoi? Je bosse sur un roman graphique sur Kaino. Je me vois un peu comme un artiste. C'est un grand malade. Mais tous les plus grands artistes sont des grands malades. Bon. Je me casse. Tu cherches le temple de Raiden, c'est ça? Tu vas t'amuser. On parle beaucoup de ce temple là-bas. On dit que des champions s'y entraînaient souvent pour le Mortal Kombat. Oh, ça recommence. Sauf que personne ne sait où c'est. Ah, c'est vite dit, ça. Allez, bouge. Toi, tu le sais. Je t'explique. T'as de quoi écrire? Dans ton cul.
comme si j'allais t'aider. Et tu me kidnappes, tu m'attaches à une chaise, tu me plantes avec mon poignard et tu dis pas je m'excuse. Après, il y a un connard d'Iguane qui me fait changer de profil. Ouais. Mais je pourrais te défigurer, ça va encore. Question aide, moi je pense que j'en ai déjà fait beaucoup. Bouge ou je me tends. Ok. C'est bien. Tout le monde a un prix. Alors dis combien tu veux. T'as pas les moyens. 2 millions. Excellent. Tu vis dans un trou à rats et t'as 2 millions de dollars. Mon cul, ouais. J'ai vécu dans ce bungalow toute ma vie, pauvre connard. Attention à ce que tu dis. 2 millions de dollars. Allez, va chier. Merde, attends. 3 millions. C'est mon dernier mot. Et tout ce que je trouve à l'intérieur du temple, je le garde. Pas question de partager. Et si tu me l'as fait à l'envers, je te bute. Je fais ça comme je rigole. Ok. D'accord, marché conclu. J'allais y aller de toute façon. T'es une flèche, toi, hein? Autre chose, pour y aller, c'est quoi ta solution? En avion, j'ai une copine pilote. T'as des copines, toi? Je t'emmerde, Timiné. J'ai des tas de copines. Je les ai toutes à mes pieds. Ouh! Ah, ces connards de nains de jardin. Ils me foutent les jetons. Tu vas lui donner 3 millions de dollars. T'es sérieux? Je vis dans un trou à rats, tu crois que j'ai 3 millions à lui donner? Sautez de ce tas de ferraille, les amis. Allez, debout, on y va. Ouais, ça se voit tant que ça. Ça va aller. Tu sautes, tu montes bien jusqu'à toi, puis tu tires là-dessus. Ok, ouais, c'est simple. Mais on n'a pas la journée, princesse. Quoi? T'es vraiment débile. À 32. Bon, allez, disons 35 et on sera pas déçus. Quelle connerie. Eh merde, faut que je fasse une pause. Ah. Tu viens de faire une pause. C'est la bière, ça. Donne-moi le GPS, je prends le relais. Eh, regarde le score une minute, ok? Je nous ai amenés ici. Je sais où trouver votre petit ashram, perdu quelque part par là. J'ai dézingué l'homme lézard, ok? Qui a déjà prélevé un cœur entre... Eh! Ah, je vois ce que c'est, d'accord. T'es jalouse, c'est ça? Ma jolie marque? Hé, hey, je te cause. Si tu la veux tant que ça, tout ce que t'as à faire, c'est me tuer, et tu l'auras. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu veux danser? C'est ta vie. Ça, c'est de la meuf. Vas-y. T'es à deux doigts de l'avoir. T'as qu'un geste à faire. Qu'est-ce que t'attends? Non. Ouais, c'est pour ça que t'as pas eu droit, toi. T'as pas assez de bâtard en toi. Ça va?
un pas de plus, MC Hammer. Je viens en ami. Je suis Liu Kang, de l'ordre Shaolin de la Lumière. Enfin trouvé le chemin du temple de Raiden. Attends, on s'en fout de ton temple. Tu viens de lancer une boule de feu d'un geste. T'as fait comment? Attends une minute. Est-ce que moi aussi j'aurai des super pouvoirs à un moment? Hein? C'est ça? Il y a beaucoup à dire. Il fait quoi? Mais pas ici. Suivez-moi. Hé! Hey, David Copperfield, attends! Allez, dis-moi comment tu fais! Ainsi. Pendant des milliers d'années, ce temple était un lieu de culte sanctifié. Il est essentiel que nous commencions votre entraînement en vue du prochain tournoi. C'est pas ce que j'appellerais un tournoi. Ça ressemblerait plutôt à une embuscade. Nous n'avons que peu de temps. Le prochain tournoi doit commencer avant la prochaine pleine lune. Suivez-moi, c'est par ici. Et maintenant, tu vas faire sortir une porte de nulle part. Oh. C'est balèze, faut reconnaître. Wow. Je le savais. C'était vrai. Ces fresques, elles retracent toute l'histoire du Mortal Kombat. Alors ça me parle. C'est l'Outworld. Oui, le plus brutal, le plus sanguinaire de tous les royaumes. Notre plus grand ennemi. L'entraînement. Avant que nos grands ennemis de l'Outworld puissent nous trouver et nous éliminer. Le sort du Rock. Vous devez donc vous entraîner davantage et plus vite. Parce que si votre force intérieure ne vous est pas révélée, jamais vous n'aurez raison de vos adversaires. Ils réduiront à néant tout ce à quoi vous tenez, sans faire montre d'aucune pitié. Vous devez combattre sans vous poser de questions. Le dragon a dévoré bien des âmes avant les nôtres. Remets ça en place. De quoi tu parles? Jax! M'a confié la responsabilité de rassembler tous les champions de la Terre. Quand j'ai enfin trouvé Jax, il était trop tard. Mais il va survivre. La glace. Elle a cautérisé ses blessures. Nous avons interrogé tous les royaumes pour trouver comment le soigner. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Être patiente. Vaiba. Laisse-leur le temps de faire leur œuvre. Il faut sortir. Il nous attend. Le grand protecteur, Lord Raiden. Seigneur,
j'ai enfin réuni les derniers champions de la Terre. C'est avec ça que je dois livrer bataille. Tu n'es ni physiquement ni mentalement en état de combattre. Et toi, tu n'as pas la marque. Oh, une seconde. Bon, et moi, Gandalf, mon fortune coquille. Impuissant et arrogant. Il n'y a plus de temps à perdre. Nos ennemis ont remporté 9 victoires, une de plus. Et l'Outworld règnera sur toute vie sur Terre pour toujours. Shang Tsung réduira en esclavage l'humanité tout entière. J'ai raté quelque chose? Ils ont essayé de tuer ma femme et ma fille. Je peux me battre. Prêt à mourir pour ma famille. Nous verrons si tu es à la hauteur. Est venu à présent d'en finir. Prenez tous les trophées que vous désirez. Mais leurs âmes sont miennes. Silence ! Je prends possession de votre monde. Il est trop tard pour toi, Raiden. Il est défendu de crier victoire avant le commencement du tournoi. C'est tout à fait juste, dieu du tonnerre. Mais les conflits extérieurs au Mortal Kombat ne sont pas interdits. D'ailleurs, les autres dieux sont trop paresseux pour m'arrêter. Je viens prendre vos âmes. Non, tu vas quitter ce temple sur le champ, sorcier. Ce sont tes champions. Tuez-les. Ce n'est que partie remise. Super pouvoir. Je comprends, c'est un genre de boîte de chocolat, on sait pas ce qu'on va avoir. Des boules de feu, ou peut-être le lancement d'éclairs. Ou de la merde, comme un chapeau frisbee, genre, sans te vexer, on se connaît pas. Je suis Kung Lao, descendant du grand Kung Lao, le célèbre champion de l'Ordre de la Lumière. Jamais entendu parler. Écoutez attentivement, la leçon va commencer. Venez. Votre pouvoir intérieur vient de votre arcana, un don accordé par la marque du dragon. Tout le but de votre formation sera de vous révéler ce pouvoir. Sans lui, vaincre l'Outworld sera impossible. Kung Lao et moi avons découvert notre arcana. Vous trouverez le vôtre, au centre de l'arène.
Passons aux choses sérieuses. Moi, je vise les boules de feu. Il n'y a aucune garantie. Bon, à part des boules de feu, qu'est-ce qui pourrait me sortir des mains? Des couteaux, des flingues? Mais quand est-ce que tu la fermes? Vous pouvez bien sûr rester, Madame Blade. Mais l'arène est exclusivement réservée à ceux qui ont été choisis. Oh putain. Oups. Non, attendez. On serait pas là sans elle. Elle est avec nous. Un combattant sans marque ne saurait trouver son arcana. Et un combattant sans arcana serait un poids pour les autres. Eh ouais, un poids. Voilà, voilà. Salut la blonde. Allez les gars, moins de ça et plus de ça. On y va. Patience et écoute. Putain. Maintenant, tâcher de mettre ta force à l'épreuve. Il n'y a pas de temps à perdre. Tu dois libérer ton arcana. Ça doit être de te faire déglinguer à coups de sombrero en fer. Hein? On m'a soumis le nom d'un homme. C'était un pourvoyeur d'objets recherchés. Des enfants. Orphelins. Comme moi. Il avait la marque. J'ai décidé de la lui enlever. C'est à ce moment-là que mon arcana est apparu. J'ai vu beaucoup mieux que ça. Encore. Encore. Encore.
vas y arriver. Oh, c'est la merde! Ça marche pas. C'est pas moi. Je suis plus bon à rien. Pourquoi on m'a amené ici? Je vous aiderai pas. Pour mon premier jour d'entraînement, j'ai dû courir 30 kilomètres. J'ai cru mourir. J'ai failli tout laisser tomber. Mais ce que je voulais vraiment, c'est me faire accepter par toi. En tant que soldat d'élite. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Soit tu finis, et tu te prouves à toi-même que tu peux y arriver. Soit tu le regretteras toute ta vie. T'as un message à me transmettre, soldat? Faut te sortir les doigts du cul, Major. Miss Sonia, asseyez-vous. Tenez, merci. Mangez. Cole, ça va mieux? Ah, ouais, ça se soigne bien. Mange bien et tu guériras bien. L'entraînement reprend demain. Qu'est-ce qu'il fout, l'autre? C'est pas Halloween? Oh putain, il est avec nous, lui? Non, ça te fait un super look. Ils en font pour hommes, de tes trucs, là? Allez, toi, au bout, Chignon, Jin Chong. Fais tourner l'omelette, ma couille. Oh non, Isiata. Oh, t'es bouché? L'omelette, là, go. Voilà, c'est bien. À ta place, j'irai doucement avec les œufs. Sachant que même avec 3 mois d'effort, t'aurais aucune chance au tournoi. En plus simple, pour que tu comprennes, tu es feignant, gros porc. T'as dit quoi? Tu es mauvais. Aucune technique. Tu veux que je te bute, petit? Le combat requiert de l'intelligence. Et toi, tu as celle d'un chien. À l'entraînement, tu es un chien dans un jeu de quilles. Ça te dirait que je vienne chercher ton pauvre sombrero en forme de scie circulaire et que je te le fourre tellement loin dans le cul que tu parleras espagnol? Ça te dirait ça? Et c'est toujours? Attention, me tente pas trop. Je me pose une question. Pourquoi mettre un peu de silence comme d'autres moines, hein? Non. Tu n'as pas saisi. Kung Lao est là pour te sauver parce que sans lui, rien ne te sauvera. Oh, ben voyons. Tu es une sorte de lapin qui se veut panthère. Tu es un faible, un incompétent. Mentalement et physiquement agressif, tu devrais te prosterner devant cet homme. J'ai une meilleure idée. Les deux potes là, vous allez vous mettre à genoux et vous allez me lécher les boules à tour de rôle. Vous savez à qui vous parlez là, tous les deux? Non mais sérieux. Je suis à chercher dans 35 pays les danseuses. Pour des trucs que vous imaginez même pas. Tu es en colère. Oh putain, rien ne t'échappe à toi, œil de lynx. Tu l'es. Et c'est tant mieux. Tu ne vaux rien. Je vaux rien. Moi, je vaux rien. Attends, je t'explique, petit enfoiré. Je suis Kano, du célèbre clan du Black Dragon. Et vous, vous êtes qui? Une espèce de hippie des cavernes avec une paire de boules de geisha dans le cul qui fait de la lèche à l'autre branleur avec un enjoliveur de bagnole sur le crâne? Alors tu te rassieds, tu la fermes et tu me passes un coup d'omelette à la con! C'est mon truc, c'est ça? Vous avez tous vu? Un laser, putain de merde! Remballe des boules de feu, toi, petite merde! C'est bon, ça, Kano! Je savais que je serais le premier à l'avoir. Le temps nous manque, Cole. Fais face à ce que tu ne saurais nier. Trouve ta vérité. Souffrir est l'ultime catalyseur. Encore. Oh, attends, il faut vraiment que ce soit lui, je le connais. Tu
Je sens que ça vient à l'arcana là. Plus qu'une petite branlée, ça sort. Confronte la souffrance, Cole. Je confronte. Je dérouille et passe rien du tout. Encore. Ah, t'as raison, ça avance pas. Un petit coup de laser. Toujours pas trouvé ton arcana. Sans lui, tu ne seras qu'un poids pour les autres. D'où ça vient ça, je comprends pas. Et pourquoi je suis le seul champion à l'avoir depuis que je suis venu au monde? La marque devient de ta parenté, Cole. C'est quoi ce délire? Je suis orphelin, je viens du quartier sud de Chicago. Tu es le descendant de l'un des plus grands guerriers ninja qui ait vécu sur cette terre. Hanzo Asashi. Hanzo est mort assassiné après sa femme et son fils aîné par le tueur même qui est à ta recherche, Sub-Zero. À sa mort, Hanzo est descendu dans le Nether, aux confins de l'enfer où rien ne peut épancher sa soif de vengeance. Mais sa descendance s'est perpétuée. J'ai secouru le seul enfant survivant de Hanzo et je l'ai caché dans le seul endroit où Sub-Zero ne penserait pas à le chercher. Au fil des années, la marque des Asashi s'est transmise à tes ancêtres. J'ai cru que le pouvoir visible chez eux passerait aussi dans ton sang. Je vois qu'il n'en est rien. Pars ! Retourne auprès de ta famille ! Cole, il faut pas que t'abandonnes. Je suis désolé. Ce que le royaume Terre prétend être ses champions, ils ne sont pas de taille face à vous. Nous sommes à la veille de la victoire. Bientôt le royaume Terre sera nôtre. Mais nous devons frapper dès maintenant. Raiden nous a privés de l'entrée à son temple. Je dois trouver le moyen d'abattre ses défenses afin d'être en mesure de descendre. Ce putain de connard qui s'appellerait Kaino. Kaino? Ouais. C'est à cause de lui que je vis avec un poumon d'acier. C'est une ordure, une enflure et un sac à merde. Tu vas l'adorer. Prince Goro! Quel honneur de recevoir le sang pur des Shokan! Nous pouvons maintenant en finir avec cette prophétie une fois pour toutes! Putain, quelle tristesse. Regarde-toi.
Il n'y a pas si longtemps, t'étais une vraie terreur. T'as bien régressé depuis l'époque où tu dirigeais le Black Dragon. T'as rien à me dire sur le Black Dragon. C'est moi, le Black Dragon. C'est qui maintenant ton boss? Laisse-moi deviner, la blonde? C'est ton masque qui fait que ton cerveau manque d'air, débile. Je reçois d'ordre de strictement personne, moi. Alors tu te trompes de camp. Bats-toi de notre côté, t'auras plus d'argent que tu pourras en dépenser. Sérieux, tu pourrais transformer tout ce temple en casino si tu voulais. Tu dis ton prix, tu le doubles et tu multiplies par deux. T'attends quoi, connard? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Sérieux, vous avez cru que vous alliez me changer? L'annulation de la prophétie est imminente. Barricadez-vous.
inférieur à moi. Réduis-le à néant, ma beauté.
fini. Impossible. Merci d'avoir aidé mon champion à trouver son arcana. Après 4000 ans, il faut toujours compter avec la lignée de Hasashi. Bian. Sur cette lame ancienne, c'est le sang de ton aïeul, Hanzo Hasashi. Je la lui ai prise quand il est mort. Serre-t'en, et l'esprit de Hanzo combattra à tes côtés. C'est quoi le plan? Il faut être plus subtil qu'eux. Il faut diriger le combat. Comment? Ils sont mieux entraînés, ils sont mieux préparés. Et ils n'hésitent pas à tricher. Il faut les défier séparément. Lord Raiden, est-ce que vous pouvez téléporter quelqu'un? Ils veulent pas du tournoi, on va leur en donner un quand même. Mais à notre manière. Laissez-moi Reiko. On a un compte à régler. Ça va, mon grand? Sonia. Dis-moi que j'aurai la salope avec les dents. T'auras droit qu'à ton ami Kano. Je sais que tu lui as déjà botté le cul une fois, mais là, il a un laser. Fais attention. De ce côté-là, ça ira. Chérie, je suis rentré. Avec Liu, on aura Milena et Kamal. Je sais que t'as une revanche à prendre. T'es prêt? Et pour Sub-Zero, il n'est pas question de le battre en un contre un. Ouais. On va garder Sub-Zero pour la fin. On va le prendre à 5. En équipe. Oh!
Ça marche bien, cette merde. Papa va nous retrouver ? Tout à fait sûr. Je veux juste qu'on se tire d'ici. J'ai pas envie qu'un autre monstre à quatre bras nous tombe dessus.
Enfin, la lignée des Asashi va s'éteindre. Come on.
奴は俺に任せろ。 Ce sont mes amis. Je m'appelle Liu Kang. Asseyez-vous. Je vais vous réchauffer. Vraiment impressionnant. Il vous était pas défendu d'intervenir. Shang Tsung. Prophétie s'est réalisée. Tes mains sont couvertes de sang. Ça ne t'a rien enseigné. Qu'importe le nombre de victimes que vous pourrez faire dans nos rangs, chacune d'entre elles sera vite remplacée. Aujourd'hui, vous avez tué mes combattants et vous pensez avoir gagné. Mais la mort n'est qu'un autre portail. Avec quelques tueurs, je serai accompagné d'une armée. Tu vas retourner dans l'Outworld dès maintenant. Le royaume. Il a toujours trop parlé. Et maintenant? Aujourd'hui, nous sommes victorieux. Mais nous avons d'autres ennemis à combattre. Contre-assemblée d'autres porteurs de la marque. Vous devrez recruter ces champions. Je commence par qui? Hé, mon pote, j'allais justement essayer de te joindre. Je t'ai organisé un truc demain soir. Désolé, boxer pour $200, moi j'arrête. Tu passes à autre chose alors, hein? Ouais. On peut dire ça. Tu vas aller où? À Hollywood. À Hollywood? Y a quoi pour toi à Hollywood? Pas quoi.